Salut à tous, c'est Master of Gaming. Bon bah j'ai eu un problème technique lors de l'enregistrement de la partie 1. Je suis arrivé au chapitre 10, je l'ai terminé. Donc le chapitre 11 et 12, ça sera pour la deuxième partie que je suis en train d'enregistrer. Donc voilà, donc je vais terminer le mode histoire de Mortal Kombat 11. Ça sera en deux parties sur YouTube et puis après je ferai Aftermath en une ou peut-être deux parties, je sais pas, on verra. Allez, je reprends là où j'étais et je vous dis bon visionnage et à très bientôt. Réservez vos fables à quelqu'un d'autre. Chronica ne nous piégera pas. Ce n'est pas un piège. Caron vous attend dans le Nether. Raiden, on devrait l'écouter. Peut-être qu'il dit vrai. Il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir. La vérité, Scorpion. Maintenant. Raiden, arrêtez! Ne t'approche pas, Liu Kang. Lâchez l'amulette! Ces ténèbres sont en train de vous prendre! Nous n'avons plus assez de temps. Je fais ce qu'il faut pour protéger le royaume Terre. À terre! Vous faites fausse route. Ce n'est pas Scorpion, notre ennemi, cette fois. Liu Kang, ne t'en mêle pas. Fight. Liu Kang, le sort des royaumes est en jeu. Pour les défendre, je dois veiller sur l'ordre. Je ne voulais pas y croire, mais les revenants disaient vrai. On ne peut pas vous faire confiance. Je n'ai pas besoin de confiance. J'exige votre obéissance. Vos délires n'ont que trop duré. Si vous devez mourir, alors mourrez. C'est... Ça s'est déjà produit. Combattre Shao Kahn. Liu Kang, arrête! Vos délires n'ont que trop duré. Si vous devez mourir, alors mourrez! Come on.
J'ai été stupide, Liu Kang. Kronika m'a berné. Nous nous battons car c'est ce qu'elle souhaite. Il faut que je l'aide. J'ai eu tort de douter de vous. Je connais cette colère qui rend esclave. Seigneur Raiden, je ne vous comprends pas. Votre rage était l'œuvre de Kronika ? Oui. J'ai succombé à son influence. Seulement, notre confrontation a ravivé des souvenirs. Des souvenirs issus de notre continuum, mais aussi d'autres continuums précédents. Hola hola, des continuums ? Au pluriel ? Oui, Kronika a redémarré l'histoire à d'innombrables reprises. Elle profite de chaque continuum pour perfectionner son plan. Les détails de chaque continuum diffèrent, mais à chaque fois, les événements débouchent sur un conflit entre moi et Liu Kang. Et à chaque fois, il meurt. Seule Kronika a la puissance de contrôler le temps et le destin. Je pige pas. Dans quel but ? Ça, je ne sais pas. Mais je vous le promets, nous ne serons plus les pantins de Kronika. Finalement, tu aperçois les ficelles. Les ficelles, mais pas l'objectif. Pourquoi m'opposer à Liu Kang ? Ça ne te saute pas aux yeux ? Vos pouvoirs combinés menacent ma vision du continuum. Liu Kang et moi, nous ne nous laisserons plus diviser par vos machinations. Oh, Raiden. Tu crois que c'est la première fois que tu fais ce serment ? Nous avons répété tant de fois cette conversation dans tellement de continuums. J'ai cessé de compter. Ce continuum-ci se terminera autrement. Nous avons épuisé tous les scénarios possibles, Raiden. Tu ne peux pas gagner. Tu as le droit d'essayer, bien sûr. En revanche, tu devras faire sans Liu Kang. Profite de tes dernières heures, Raiden. C'est tout ce qu'il te reste. Liu Kang! Où est-il ? Kronika l'a emmené sur son île. Nous devons partir. Pour sauver les royaumes, il faut sauver Liu Kang. Un nouveau look ? Rien que pour moi ? Non, fallait pas. Qu'est-ce que vous me voulez ? Tu contribueras à ma protection. Ça m'étonnerait. Je maîtrise la sorcellerie de Shinnok. Je vais fusionner ton âme avec la mienne. Et là, enfin, je prendrai ma revanche sur Raiden. Mes amis, les armées de Raiden arrivent. Elles vont nous affronter et elles vont perdre. Thank you.
Kronika se trouve derrière le brouillard. Les navires ne peuvent pas combattre. Cette flotte est sous ma protection, Charon. Si Charon tombe, notre flotte ne peut naviguer. Protégez-le coûte que coûte. Percutez-les ! Me battre, mais il le faut. Pour le bien de Jackie et pour le mien. Fight! Les promesses faites par Kronika vous ont cruellement trompé. Elle est la mère de Shinnok, celui qui a fait de vous un esclave revenant. Mais... non. Elle est la mère de Cétrion. Et Cétrion est la sœur de Shinnok. Dans le projet de Kronika, les ténèbres de Shinnok répondraient à la lumière de Cétrion. Ce qui arrivera uniquement si les royaumes continuent de se battre. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel idiot! Ce n'est pas idiot de combattre pour le sort de sa famille. Désolé, Raiden. Je promets de me rattraper. Défaite est impossible. La tienne, inévitable.
fight! Dommage pour toi. La mer de sang n'a pas de fond. Tu couleras pour l'éternité. Ai-je toute ton attention, Raiden ? Je contrôle les guerriers qui sont en train de saborder ta flotte. Tu as eu tort de pactiser avec Kronika, Frost. Toute ma vie, tu n'as fait que m'ignorer. Kronika, elle, a vu mon talent d'entrée de jeu. Fight! La jalousie et l'ambition te consument. Tout ce potentiel caché. Elle aurait pu faire des merveilles, à la tête de ces cyber Linkway. C'est elle qui commande, pas Sector. Si c'est vrai, elle est liée à eux. Ils suivent ses pensées. Alors qu'ils la suivent jusqu'à sa défaite. Thank you.
s'en approche. Vous deux, vous dirigerez l'armée chargée de défendre le rivage. Où seras-tu ? À maintes reprises, les plans de Kronika nous ont dressés l'un contre l'autre. Ce cycle doit cesser, Liu Kang. Cette fois, je m'en charge. Ta force. Un cadeau de Kronika. Un cadeau de moi-même, figure-toi. Tu as même volé ta propre âme. Perverti ta propre nature. Une leçon que tu m'as enseignée, Raiden. Combattre mes ennemis par tous les moyens nécessaires. Fight! J'ai pris le dessus sur les ténèbres en moi. Et tu dois faire de même. Pour ça, tu devras me tuer. Je préférerais te sauver. C'est Raiden. Il fait partie de moi. Il est lié à mon âme. Il a fait de moi un dieu. Du moins, pour un temps. Un dieu ? Incroyable. C'est lui qui est trop bien pour elle. Mon jumeau revenant. J'ai absorbé sa connaissance du fort. Je sais où se trouve le sablier. On peut vaincre Kronika.
Du désespoir naît l'inventivité. Je n'aurais pas cru que Raiden puisse me surprendre. Notre réussite n'est plus assurée. Nous devons faire vite. Désolé, Jackie. Et ouais, bordel, je suis de retour. Reculez.
avons-nous perdu la bataille? La victoire reste à portée de main. Le sablier est pratiquement prêt. Vous allez empêcher Liu Kang d'interférer. Mais vous aurez besoin de plus de renforts. Quoi qu'il advienne, je suis honoré de combattre à vos côtés. Moi aussi, Liu Kang. Moi aussi, mon frère. Que les dieux anciens nous protègent. Mérite d'innover, mais elle est ridicule et trop tardive. Du royaume terre ruisselle en toi. Laisse-le nourrir ton feu. Pas vous faire de mal. Du mal? Tu as failli me tuer, surtout. Mon sort a été scellé dès que je t'ai rejoint aux côtés de Raiden. Une erreur que je ne compte pas reproduire dans le Nouvel Âge. Fight!
Notre lien n'avait rien d'une erreur. Ton ego est sans limite. Je n'ai pas demandé tout ça. Ça m'est tombé dessus. Ça aurait dû être moi, Liu Kang, depuis le début. Mais tout va se régler grâce à Kronika. Fight! Tu as raison de craindre mes pouvoirs combinés à ceux de Raiden. Les pouvoirs d'un demi-dieu ne rivalisent pas avec une déesse ancienne. Futrion ! Comme vous voudrez, mère. Tu m'égales en tout point. Tu n'as aucun désir de combattre ces triomphes. Tu luttes pour la vision de ta mère. Mais en parangon de vertu, tu sais que son désir d'équilibre est absurde. Écoute-moi, Cétrion. Il ne comprend rien à notre vision. Je t'en prie. Il n'y a rien de vertueux à plonger les royaumes dans une guerre sans fin. Ma plus grande vertu est d'accomplir la volonté de ma mère. Je ne la décevrai pas. Te trahit, Cétrion. Je vous ai déçu. Ma chère Cétrion, tu t'es admirablement battue. Mais il te reste un dernier service à me rendre. Oui, mère. Je comprends. Et toi, Liu
Les royaumes tels que vous les connaissiez sont effacés, envolés. Tu ne peux pas sauver un futur qui n'a pas encore eu lieu. Il n'existe plus que le Nouvel Âge. Fight! Les royaumes ne combattront pas vos guerres sans fin. Résiste-moi, et tes amis disparaîtront. Moi, et moi seul, peux créer leur futur. Votre futur ne vaut pas la peine d'être vécu. Il ne se réalisera jamais. Fight. Notre travail est terminé, Liu Kang. Seigneur Raiden. Appelle-moi juste Raiden. Tu t'es montré digne de me remplacer en tant que nouveau protecteur du Royaume Terre. Seigneur Liu Kang. Qu'est-ce que je dois faire à présent ? Tu es désormais l'architecte des Sables du Temps. Tu dois ramener le sablier à l'aube des temps et façonner une nouvelle histoire, une bien meilleure. J'ai le sort de tous les royaumes entre les mains. Raiden, je n'y arriverai pas seul. Si. Il te faut une partenaire avec qui partager les éons. Kitana. Vos destinées ont toujours été entremêlées. Nous sommes loin dans le passé. Mais il m'est encore possible de l'atteindre. Retournez ensemble à l'aube des temps. Sculpte le contenu du sablier pour forger un meilleur futur. J'ai hâte de te croiser à nouveau dans le prochain continuum. Alors je ne vous dis pas adieu. Oui,
Mais on aura beau façonner les sables, on ne peut pas prévoir toutes les possibilités. Les mortels feront leur propre choix. De nouveaux démons émergeront. Chaque royaume doit choisir sa destinée. Quels que soient ses choix, nous y ferons face ensemble. Thank you.
Voilà, c'était l'histoire principale de Mortal Kombat 11. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour Aftermath, les conséquences en français. J'espère la faire en une partie, peut-être même deux parties, on verra. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Aimez, partagez avec vos proches, vos amis, pour faire connaître ma chaîne. Abonnez-vous avec la cloche, bien sûr, pour avoir toutes les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Ciao. Prenez soin de vous.